Comme fallait s'en douter, hein. Il pleut, donc bon bah, on va quand même y aller, hein. Sauf si on sort pas quand il pleut chez nous, on sort jamais. Allez go, on est parti, Grégoire est arrivé là, let's go. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir toute la nuit, toute la journée. T'as pas de feu de recul. Les feux de recul marchent pas. Ah pourtant ils sont neufs. Yep, donc voilà, bien arrivé sur place. Bon, ça va, heureusement, c'est cool. Le soleil est arrivé. Plus qu'à faire le tour. Alors, je sais pas trop encore comment je vais monter cette vidéo parce que j'en sais rien encore. Comment je vais réussir à rythmer le bordel pour que ce soit pas trop chiant à regarder. Il y a du beau, il y a du beau, il y a du beau. Il y a Grégoire. Bonsoir. Bonsoir. Ah, bonjour. On est le jour. Ah, d'accord. Tu as pas beaucoup dormi, Grégoire. Bonjour. C'est pas grave. Mais les lunettes. C'est les lunettes. C'est les lunettes qui cachent. Ça cache. Putain, par contre, ça fait un petit peu chier quand même. Il y a un truc qui est dommage. Il y a que des combis Volkswagen partout. Je suis la seule estape sur le coin pour l'instant. On verra bien après. Ça, c'est beau. Ça. Ça, c'est beau. Ça. C'est chez qui? Le petit Merco. Oui. Parce qu'on a un gars du club qui travaille chez Ah, c'est beau quand même. Le cul est magnifique, je trouve. Les phares à l'avant, je suis moins fan, parce que je suis pas très fan des phares oblongs. Une boîte automatique, la base. Ah non. Ça, c'est beau. Après, ça, ces phares-là, j'ai un peu de mal sur cette génération. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Tuner, la Cindia. Ouais, un truc comme ça. Non, c'est pas la télé. Je vais la mettre.
Putain, la taille du paquebot, laisse tomber. Taille du bordel à manœuvrer. T'as vu les tailles des ailes à l'arrière. Oh, la vache. Un petit peu, non? Ouais, c'est un petit peu. C'est magnifique, là-dessus. Oh, là, là. Tu vois, les gens, tout le monde trouve ça magnifique. Et ben, bizarrement, je vais être un des seuls mecs au monde qui trouve ça moyen. Je trouve les proportions sont dégueulasses, en fait. Avec le capot? Ouais, je trouve le capot est dégueulasse par rapport à la bagnole, c'est bien. Mais après, voilà, j'ai des goûts un peu. J'ai des goûts très particuliers. Vous ne pourriez pas comprendre. Oh putain! 19-22! Ça passerait bien en longueur, ça. Oh putain! Ça, c'est un de mes petits rêves quand même. Hein. Mais bon, on va arrêter de rêver deux minutes. C'est Berlier. Là, ça se fait le Berlier, il est beau. Moi, je me demande toujours sur ce genre de bus et tout ça. Vous voyez ce qu'il y a retrouvé, les caoutchoucs, tu vois, tous les... Ah ouais. Tous les petits trucs comme ça, tous les petits accessoires, je sais pas où est-ce qu'il les trouve. Ah. Là, t'as fait encore plus dur. Oh putain. Ah c'est moderne. J'adore. Diane ? Café. Avant le café, est-ce que je peux acheter un comme ça pour le mettre dans le hangar ? Ça veut dire non. Ouais, elle veut pas. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Bon, c'est ton destin ! Ça veut pas aller en vacances ? Avec le chat ? Ouais. En voilà un qui verra pas le lendemain. Et toi ? Le problème, c'est qu'il y a trop de voitures. Le problème, c'est qu'il y a trop de voitures. Ah non, pardon, c'est qu'il y a des voitures. C'est ça.
Ça, c'est beau, ça. C'est marrant, c'est il fait l'estafette à l'arrière sur celle-là. Petite version américaine. Oui. En fait, j'avais des jantes comme ça pour la Renault 6. Ouais. J'avais les jantes et je les ai revendues. Alors, du coup, j'ai eu le temps de les monter sur la R6. Non, ça c'est une version américaine, ça. Avec des pare-chocs bombés à l'avant, les phares rentrés comme ça. Ça, c'est bon. Ça, par contre, on a pas assez. Ça, tu vois, le moteur, il est à l'arrière. Hein. Il est derrière les sièges arrière. Ouais, comme là. Ouais, dans les deux. Ça, c'est du feu des yeux, ça. La petite Juva, là. J'aime bien celle-là. Petite dauphinoise. Pour ceux qui sont déjà venus à Le Cronan, celui-ci c'est une institution en fait. Bon les Grégoire, on se rentre ? Allez, on se rentre. Allez, on se rentre. C'est bon, on aura fait le tour. On n'aura pas tout filmé parce que déjà tous les young timers, tout ça, ça plaît pas trop. J'ai un peu la flemme. Donc bon, on se retrouve prochaine vidéo, je sais pas quand. Et puis, bah sur ce, ciao. Je vous sens perplexe. La boue, c'est sûr. Je vais prendre de l'élan pour ressortir. Quoi. On va prendre. La boue en été. Je vais prendre de... Vas-y. La boue en hiver, ça va être sympa. Bon, on va rentrer bien, chef. Ah. Rentre bien, je dis. Merci. Ne t'arrête pas. Hein? Ne t'arrête pas. Bon, c'est bon, t'as pas besoin autant d'élan. Hein. Allez, vas-y. Et en plus. Site de merde. Bon, on aura quand même eu de la chatte pour le rasso. En fait, il a fait beau jusqu'au moment où on est parti. On s'est tapé une belle averse sur la gueule, sur la route, de retour. Bon, je confirme, une estafe. C'est pas étanche. C'est pas étanche du tout. De toute façon, ça m'a l'air de venir du joint de pare-brise, je pense. Côté conducteur, comme côté passager. Hein. Donc, bon.
On fera un trou pour évacuer tout ça. Et ça sera pas mal. Allez Zou, j'espère que ce genre de petit format vous plaira. Je sais pas, c'est la première fois que j'essaye. Si je vois que ça plaît pas, bon, on en fera plus, puis tout simplement, puis voilà. Sur ce, on se retrouve pour de prochaines aventures. Bah, les prochaines, ça va être la construction du bardage du hangar. Allez, ciao les bois.